Les amis, alors voilà, excusez-moi du bruit, mais enfin voilà. Aujourd'hui, je fais pas ma présentation parce que c'est un peu la dèche. Je vais vous expliquer pourquoi. Bah, en fait, j'ai fait mes valises au niveau du Focus. Vu que je me suis trompé sur le moteur, c'est la catastrophe. J'ai ragé pendant un bon moment et tous ceux qui m'ont traité de rageux ont eu raison. Bon, c'est... Vous voyez ça là? C'est rien de grave. C'est rien de grave qui s'est passé, vous en faites pas. Donc bah voilà. J'ai toujours dit que les maquettes... Les grosses maquettes Edward de les Focke-Wulf déjà le nom c'est pour moi c'est ça me porte malheur vu que Dieu en fait a fait que j'ai mal monté mon moteur et que ben malencontreusement je l'ai fait malencontreusement j'ai pas bien réfléchi à mon geste et donc bah tu vois voilà c'est ça. On est coincé. On peut plus rien faire d'autre vu que les dernières choses qui doivent être appliquées sont au niveau du moteur. Donc voilà, c'est un peu la dèche. Donc quand j'ai fait ma vidéo de présentation sur le Focke-Wulf, j'imaginais pas que ça allait être aussi compliqué. Enfin, quand j'ai reçu le Focke-Wulf, j'imaginais pas que ça allait être aussi compliqué de le monter. Donc déjà les mitrailleuses. Avec moi, j'ai jamais compris pourquoi ça tient jamais. En fait, le truc c'est que j'ai pas le bon matériel de maquette. J'ai juste des épingles à linge. La lime du couteau suisse de mon père et de la colle que j'ai reçue dans une autre maquette. Déjà les maquettes Revell c'est bien plus facile puis voilà donc en gros pour ceux qui n'ont pas de cerveau je vous déconseille ce genre de maquette. Attendez, je vais vous la montrer. Bon, elle est un petit peu grosse. Je vous déconseille fortement ce genre de maquette, mais vraiment, je vous le déconseille plus que tout, les amis. Parce que c'est vraiment un gros bordel de monter. C'est vraiment n'importe nawak. Mais moi, j'arriverai jamais à monter ce genre de choses. C'est pas possible. Donc voilà, j'ai fait mes valises et j'ai sans doute qu'à mon avis, quand j'aurai 20, 30, 40 ans, je la ressortirai et je re-ragerai en repensant à maintenant. En repensant, pardon, à la semaine. À hier, avant-hier. Non. À mercredi. Voilà quoi. Ça n'a plus aucune importance pour moi. Déjà, les maquettes d'avion allemand. Au niveau du Focke-Wulf, ça m'a toujours porté malheur. Surtout au niveau des ME109, le 109 que j'ai eu il y a longtemps, bah, il s'est déchiqueté en plusieurs morceaux. En fait, il s'est déchiqueté à plein gré, de plein gré. Et même si je l'avais posé dans un endroit calme où j'étais sûr de ne pas avoir de soucis, bah, c'est pareil qu'avec le yak. Voilà. Ils se sont déchiquetés tous les deux. Donc voilà, je pense que... Ah oui, à tous les amateurs de Focke-Wulf, d'avions allemands, de maquettes d'avions... Enfin, à tous les amateurs de maquettes, surtout des avions, choisissez toujours la bonne marque. Non, parce que choisissez toujours aussi la marque de la maquette et surtout l'avion, y compris dans la maquette. Le Corsair,
Je l'avais passé quelque part de quelque part. Je suis revenu de l'école, il était déchiqueté. En fait, c'est ma mère finalement qui me porte malheur. Je sais bien que c'est pas très bien de dire ça, mais elle range tout. Tu laisses traîner un truc, elle le range. Même si c'est une bague d'1 million de dollars, 1 million d'euros, elle le range, elle le fout n'importe où. Ça, c'est tout ce qui est. C'est toutes les dernières données que j'ai avec le BMX. J'ai bien fait de les ranger là où je savais, parce que si je les avais laissées n'importe où, eh ben mon gars, je peux te dire que je les aurais pas trouvées, hein. Et le pire, c'est que j'en ai pas 15, hein, des comme ça. J'en ai vraiment pas 15, hein. Donc voilà. Donc cette fois-ci, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, mettez un commentaire comme vous. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire. Bon, faites comme vous voulez, que ce soit gentil ou méchant. Je m'en fiche un peu pour cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike. Faites un peu comme vous voulez pour cette vidéo. De toute façon, j'ai que 3 ou 4 abonnés sur ma chaîne. Donc, même si c'est un bon début, j'ai quand même commencé. J'ai quand même commencé les vidéos il y a 2 ans avec les maquettes d'Hugo, bon, que j'ai supprimées après. Je faisais des présentations de mes maquettes. Après, je. Sur Snapchat, Instagram. Non. Je sais plus si c'est sur. Je sais plus si c'est sur Twitter, Instagram, Facebook ou Snapchat. C'est un des quatre. J'avais posté des vidéos, des photos de mes maquettes. Et je me suis fait pirater mon compte. À l'époque, c'était. En majuscule et attaché les maquettes d'Hugo, donc bah je me le suis fait pirater, donc ils m'ont réquisitionné, et donc ben bah, voilà, donc maintenant j'attends une maquette revenue, non, parce que en plus j'ai déjà un Fog Wolf. Donc c'est pas la peine. Et puis si je vous montre l'autre Fog Wolf que j'ai peint à ma manière, vous allez dire qu'il est aussi moche que moi. Bon, je prends quand même le risque. Vous bougez pas, je reviens. Voilà. Je l'ai peint plus que nullement. Bon, j'ai oublié de mettre les ailes arrière. En même temps, c'était avec un coffret LR. Donc voilà, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo où je serai un peu plus gai. Donc voilà, celui-là je l'ai peint nullement, je l'ai monté en 3 secondes, je l'ai peint en 30 secondes, puis voilà quoi. C'est un peu agaçant. Voilà, donc je vous souhaite une très joyeuse journée. Et moi, pendant ce temps, je vous dis à plus.